Ça veut dire le dernier point maintenant. Hier, la délégation du MMM, une rencontre, un représentant de un syndicat taxi, un chauffeur. Nous positionnons que nous regrettons, nous, que le ministre Béthu n'a pas pu prendre contact avec les stakeholders avant, durant et après la présentation du projet de loi qu'il a introduit avec le premier point. Nous déplorons ça le refus du ministre Béthu de faire une consultation et de dialoguer avec l'organisation concernée pour sa nouvelle mesure. Et bon, hier, personne n'a pas compris le dernier point. Ni nous, ni Bakawa qui nous donne. Mais seulement, le case pour les stakeholders, je peux dire, d'après eux, si il y a une consultation entre le ministre et eux, le ministre vous donne une meilleure position pour écouter les bonnes propositions. Et de bonnes suggestions, parce que c'est le professionnel du transport et le ministre qui est capable de take on board certaines propositions que je peux faire. Et évidemment, ça qui propose moins amertume, moins mécontentement, moins frustration au sein de cette organisation là. Et pour avoir probablement, nous pensons qu'il peut arriver, quand on connaît dans la semaine qui est venue là, il y a un grand rassemblement prévu pour lui. Et si le ministre Béthu a adopté cette démarche-là, probablement, il est capable de désamorcer l'autre foyer de tension qui nous trouvait plus pointé dans le pays à cause de mécontentement de nos chauffeurs professionnels. Alors, pour ça, qui nous dit à notre campagne hier, qui nous d'accord avec notre système que le ministre Béthu utilisait à M. Bonzo et qui est utilisait capable. Put forward, présente votre cas au ministre. L'eau inondation et grosse pluie, le sage finit par votre commentaire. Et mais nous avons envie, encore une fois, déplore ce qui vient de passer lundi dernier dans la nouvelle école. Quand la pluie tombait encore une fois, quand les grosses pluies vont tomber, il y a une confusion, une cafouillante, un chaos. Le ministre laisse à les parents la responsabilité si pas bien les enfants à l'école ou bien non. Il laisse ça ouvert à les parents pour décider. Et c'était une incapacité du ministre et du ministère pour prendre une décision cohérente. Et c'est ce qui est arrivé dans l'école. Et les enfants ils continuent, ils restent en place et les enfants ils renvoyés dépendants pour tout le reste. Et maintenant, concernant ce problème d'inondation-là, nous pouvons apprendre maintenant que le gouvernement prend la décision pour mettre un amendement là-dedans. Après l'amour, la tisane, encore une fois. Alors le gouvernement donc dit aussi les conditions concernant les permis IAE pour diminuer le risque d'inondation pour les promoteurs dans le projet de concert. Le gouvernement dit qu'il peut voir les critères qui gouvernent l'octroi permis IAE maintenant. Mieux autant que jamais. Et nous rappelons le gouvernement ici qu'il y a beaucoup de propositions qui font dans le rapport d'OMA, le fact-finding committee qui est institué après, je rappelle, l'inondation dans le nord, mon goût, la mort d'identifié. Le rapport d'OMA qui rentre en profondeur, qui examine le problème des drains dans le pays, il y a beaucoup de suggestions, de propositions qui font, qui ne sont pas encore implémentées. Alors, il y a au gouvernement, oui, qui initie qu'il sa amendement à Environmental Protection Act
au plus vite dans l'Assemblée nationale, parce que ça posait des lois là, il y a un projet de loi qui visait à gagner priorité, et en même dans le même souffle, nous tient au gouvernement une fois pour toutes. Une primaire pour une proposition du rapport, de la proposition du rapport du juge. Dernier point que je voulais vous faire, moi aussi, vous savez qu'on a un petit commentaire sur l'éducation. Le Foundation Course et le Branch Campus de l'IANM. En vérité, ce n'est pas une université, c'est un Branch Campus, ce qui la famille Zita possédait pas trop loin d'ici. Et ce Branch Campus-là, l'IANM fut déjà la cause de controverses dans le passé. Il fut l'objet de deux biens culs, quand le camarade André Goudat et de l'opposition. Parce que ça branche campus là, il était reconnaît à Maurice avant même qu'il était reconnaît dans l'ensemble du territoire de la République indienne. Donc, le TEC se reconnaît avant même qu'il est que le counterpart du TEC en Inde, le University Grants Commission, se reconnaît dans l'ensemble du territoire indien. J'apprends le travail de la question parlementaire à l'époque. Comment même un LED qui s'y sorti depuis UGC, jamais t'y circulé parmi les board members du TEC. Et dans cette LED-là, jamais t'y circulé, UGC t'y dit au TEC, pas reconnaître le branch campus. Mais aujourd'hui, après qu'il se dit que ça n'est pas une cause de ça, problème de forme de son cours-là, donc j'ai envie, moi, de donner un petit renseignement. Troublant. Concernant sa foundation course qui peut dispenser gratuitement pendant 6 mois au campus de Elim. Le coût est gratuit parce qu'évidemment, pour l'avenir, il y a des enfants, comme il y a des autres soins, des élèves-là, qui suivent le cours 3 ans dans l'université là même, ou payant maintenant. Donc quand je finis de la foundation course, je peux obliger rester dans sa institution là même. Et passe 3 années là-dedans et gagne ce degré après, mais qui va aller à ce degré-là pour là, ça c'est une autre question. Mais je suis obligé de rester donc 3 ans si j'ai envie de continuer à faire un degré. Mais, d'après l'enseignement de Moïna, une bonne fois, les sources que vous confirmez, c'est que d'abord, le plan de son cours, c'est faisait 1 an. C'est les guidelines qui déclinent. D'abord, il faisait un pilot basis. C'est ma décision qui déclinera. Devant papier mot. Mais ce qui est plus important aussi, c'est que nous la connaissons. Et c'est ça qui nous a mis pour eux. Qui en 2008, l'Université de Maurice, écrire au ministère de l'Éducation, l'Université de Maurice, tellement bien, l'élite écrit au ministère de l'Éducation d'alors, pour demander l'autorisation pour donner la foundation course dans le but précisément de increase access, en guillemets. C'est le mot qui m'est servi là, increase access avant l'université, avant l'étude tertiaire. Donc en 2008, l'université demande l'autorisation. Au ministère. Le ministère, à l'époque-là, référait le dossier-là au PSI pour une décision. Et le PSI, lui, il retourne le dossier-là au ministère de l'Éducation. Et finalement, le ministère révise à l'Université Maurice l'autorisation pour organiser une formation bourse. Tout ceci dans votre dossier. Vérifiable, on redire donc en l'année 2008 le ministère de l'Éducation, je ne sais pas s'il y en a encore le ministère de l'Éducation tertiaire, l'Université de le ministère donc en 2008 refuse à l'Université Maurice pour organiser une formation de bourse. Je vous dis, la position est censée,
bonne raison qu'il connaît. Mais ce qui est plus grave aussi, le bon que je connais, je suis pas le camarade, c'est qu'il le tech pas fin accrédite sa part des jeunes programmes. Parce qu'ils attendent tout pareil comme moi, ils attendent beaucoup de publicité ou de radio, on va dire toute publicité gambling qu'il peut faire. En gros, on va dire les courses qui peuvent galoper dans les jeunes courses premiers, vous attendez. Mais nous bien connaît qui un communiqué une fait pareil que là. Le Foundation Programme n'est pas accrédité par l'Education Education. Ça le paraît à l'Express de cette semaine. Et le titre, le Foundation Programme n'est pas accrédité par l'Education Education Commission, signé le Public Relations Officer Tech. Et la commission, la commission tient aussi à préciser que le Foundation Programme n'est pas accrédité par la TEC. Pensez. Donc le TEC tient sa communiqué là. Vous pensez que le devoir du TEC aussi de donner plus publicité officiellement qu'il tient un communiqué. Que donne bonne parole vers la discrétion, vous prenez la décision maintenant, quand on est bien au courant, qu'il n'y a peut-être pas un crédit ça par le jeune programme là. Et là, vous avez décidé, c'est pas vous d'avoir envie d'avoir des enfants à suivre ça par le jeune programme. Donc, c'est pas par coïncidence, c'est pas une raison évidente, nous prenons maintenant la décision qui résultait en 2008 pour l'organisation de ce programme, une changée. Et comme on se dit, avec ça, je dis à Ténéra, c'est pas pour coïncidence ou pour magique, qui puis assis, qui tient son communiqué, qui maintenant, pour obtenir un emploi, c'est le gouvernement, c'est le Haggis Qualification qui comptait, comme à Ténéra, ça, je suis ici.